Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouveau let's play ou tout du moins une découverte sur Eastshade, excusez-moi. Donc un jeu de Eastshade Studio qui est édité par Eastshade Studio. Donc c'est un jeu indépendant, un vrai, un pur, un dur, un tatoué. Il vient de sortir seulement là le 13 février. Donc moi je vous tourne ça je crois 2 ou 3 jours après. Attendez, je vais vérifier ça. Ouais, 2 jours après. Donc on est le 15 au moment où je le tourne, personne n'en a parlé, personne n'a rien dit et pourtant il est très bien noté sur Steam. Il est abordable en termes de prix puisqu'il est à 21 € de base, enfin 20,99 € et qu'actuellement pour son lancement il est à moins 15%, donc à 19,80 €, 17,84 € je crois, quelque chose comme ça. 17,84 €, vous faites le compte sinon de votre côté, hein, il n'y a pas de problème. Du coup, bah voilà, moi je voulais faire cette petite découverte avec vous. Alors, je vous avoue que c'est pas une réelle découverte du coup pour moi, puisque je vais redémarrer le jeu. En fait, je vous avais déjà enregistré un épisode. Le souci, c'est qu'on ne m'entendait pas du tout par rapport au volume du jeu qui était beaucoup plus fort. Voilà, toujours le problème de ce nouveau micro. Donc, on va se commencer une nouvelle aventure. Donc, voilà, 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 monsieur. Cool. Jusqu'ici, je suis plutôt séduit par le jeu. Mais vous allez voir. Vous allez voir ça de vous-même. Voilà. Donc voilà, ça commence. The Elder Scrolls Skyrim 3 Morrowind. Voilà, le jeu commence. Nous sommes dans Morrowind. Nous sommes dans un bateau. On va être livré comme esclave. Non, je plaisante. Tout va bien. Donc voilà, ça c'est la partie interface où on va nous expliquer comment ça fonctionne. Avant de parler à ce personnage, parlons des fonctionnalités. Il est très appréciable ce jeu parce que déjà il peut se jouer à la manette, il faut savoir. Donc là, si je bouge ma manette, coucou, ça marche, il n'y a pas de problème. Et se joue bien sûr à la souris ou au clavier. Il est très appréciable d'y jouer parce que finalement, en gros, à part... bah appuyer sur Z et mâche pour courir. Et tout se joue quasiment à la souris. Voilà. Genre là pour lui parler c'est clic gauche. Forgive an old woman, but I forgot your name. What was it again? C'est Knarfang. Would you mind getting my book from the sleeping quarters? It would spare my bones the trip. It's called Great Voyages. Voilà. Donc là on nous apprend que sur J, j'ai mon journal, hein, et des vieilles dames, avec toutes les infos qui vont bien dessus. J'ai envie de rebaisser, attendez, excusez-moi ma petite sensi. Je crois qu'il m'a rebougé ma sensibilité, non? Non. D'accord. Moi je voudrais la mettre à 32, voilà, ce serait très bien. On y applique. Parfait. Donc voilà. De grands voyages, donc on a la propriété, merci de le rapporter au port de Linton. Les mers du Nord sont loin d'avoir été entièrement explorées. Les chercheurs pensent que ces eaux couvrent de vastes surfaces et des expéditions ont déjà découvert de nombreuses îles peuplées de communautés et de formes de vie variées. En raison de la nature imprévisible et violente de ces eaux, de nombreux vaisseaux d'exploration ont été perdus en tentant d'établir de nouveaux contacts ou en menant des recherches scientifiques. Gardez les yeux sur... Ça voilà, ça c'est le principal défaut du jeu, mais je pense qu'ils vont le patcher, c'est qu'il y a beaucoup de textes qui sont mangés. Vous verrez, je vais vous en lire d'autres, il y en a quelques-uns, en fait on a l'impression que le bas de page a été mangé. Enfin voilà. Thank you very much. I've read this old book many times. Seems I find something new each read. And no matter how many times I've read it, it never fails to get me excited for adventure. Are you the adventuring type? Oui. Ah, after my own heart. I've had a lifetime of it, believe it or not. If you're sticking around in Eastshade, maybe I'll tell you all about it sometime. Captain Ilona told me we'll be landing in Lindo shortly. I think we're all antsy to arrive. Donc vous venez de découvrir un nouveau sujet de conversation, vous allez pouvoir interroger les gens sur ce sujet en choisissant l'option choix d'un sujet. Lorsqu'elle sera présente, tout le monde n'aura pas forcément quelque chose à dire à propos de tous les sujets. Bon, très bien. On peut parler à ce I've never sujet. Been to Eastshade. I've heard wonderful things about it. Did you know that the people there used to cover their mouths with garments? I've heard that since gone out of style.
quite a strange fashion fad, if you ask me. As long as Ishe doesn't rock like this ship, I will love it. Ok, donc lui, je vais pouvoir lui parler donc de Lindau. It's the quaint little seaside town we'll be landing in. It's one of the many gems of the country, I hear. Almost there. Ça me l'air que ça frotte un peu. That did not sound good. Ouais. Et oui, un bateau, ça se rend très très vite. On l'a bien que ça se récupère très vite là. Mettre des caisses vides dans la cale, c'est pas une bonne idée. Voilà. Ça tourne mal. T'ai-je déjà parlé du voyage à Eastshade que ton père et moi avons fait? Raconte-moi à nouveau. De tous nos voyages, ça reste mon préféré. Tu sais, si un jour tu recherches l'inspiration pour tes peintures... Je sais, maman. Dis-moi que tu t'y rendras un jour, promets-le-moi. C'est promis. T'imaginer en train d'explorer... Parce qu'il y a une petite faute... D'explorer Eastshade me rend si heureuse. Je sais que tu trouveras l'inspiration là-bas. Ce sera une aventure incroyable. Écoute, il y a des endroits qu'il ne faut louper sous aucun prétexte. Assure-toi de peindre l'arbre géant. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Comment saurais-je lequel est-ce? Tu ne pourras pas le louper, crois-moi. Et les falaises de Rifland, le merveilleux ciel de la campagne. Tu peux déjà t'imaginer là-bas avec ton chevalet en train de faire un tableau superbe. Ces cieux clairs et cette mer à perte de vue ne peuvent qu'émouvoir une âme d'artiste. Très bien, je le ferai. Et la ville? Il y a des bâtiments splendides au centre. Depuis le dernier étage, on peut voir toute la ville. Et même au-delà, tu ne pourras pas t'empêcher de sortir tes pinceaux. Ah, bientôt, tu y seras bientôt. Tu devrais te reposer alors. Les dernières volontés. Voilà, donc la seule information juste ici que j'ai moi sur son personnage, donc ça vous allez le découvrir un petit peu après, c'est qu'en fait c'est une jeune femme. Je sais pas de quelle espèce, si je puis dire, mais je sais pas si on est un singe ou autre chose, mais voilà. Hop là, excusez-moi. Il voit bien. Elle démette sur la souris. Hop là. Voilà. Ah, mais flûte, il y a un truc qui me jette. Désolé. Are you feeling okay? C'est bleu, prends-moi ça. L'inventaire. Donc ça c'est mon chevalet. Voilà, il me donne accès à un inventaire de choses et d'autres avec de l'équipement, des boissons, des livres et tout ça. Hein? Nous avons les peintures que nous avons déjà prises, mais nous n'avons fait aucune toile actuellement. Et bien sûr le journal, les dernières volontés, avec les décors à peindre. Voilà. Donc, vous pouvez ignorer ce gars-là ou de ce qui s'est passé. J'étais sur le bateau. You washed up on this beach just a short while after the ship sank. One doesn't last long in water this cold. From what I've heard, you were the only passenger misplaced during the wreck. The others are safe in town. Eastshade, of course. Specifically, my home. I usually don't take visitors, but in this case, I can hardly blame you for floating in unannounced. Only your easel. This must mean a great deal to you. Even the frigid tide couldn't bring you to part from it. I was about to head into town to share news of your survival. You should go there and let them know yourself. It's just up the path. Merci de votre attention. Voilà, bon, je vous ai épargné un peu le dialogue. On parle littéralement un vieux man qui vit dans une grotte. On n'a un peu rien pété du reste du monde, et puis voilà. Et nous sommes libres de sortir. J'ai vraiment envie de peindre ce bateau. Sur cette image, vous allez voir, c'est stylé. C'est stylé comme jeu. Jusqu'ici, moi j'ai pas été déçu. D'ailleurs, je suis bien content presque de vous le retourner. Voilà, en espérant que ça ne surchauffera pas trop. Parce qu'avec la synchronisation verticale, j'avais observé que vous aviez des instant freeze. Donc, vous, ça vous faisait juste un petit freeze. Moi, ça me faisait des gros ralentissements, ce qui est très désagréable. Là, on arrive à Lindau.
là vous voyez, c'est pas des niveaux que je prends en fait. C'est pas un système de level, c'est un système d'inspiration. Peindre des tableaux draine votre inspiration. Vous gagnez de l'inspiration en visitant de nouveaux lieux et en essayant de nouvelles choses. Voilà. Oh, it's you. You're on the ship. What happened to you? J'ai échoué dans une caverne sur la plage. Oh, thank goodness. We thought you were lost. Oh, what a horrible experience. I'm so glad to see you're safe. What brought you to East Shade anyway? Je suis pas a traveling artist. That's wonderful. I came to visit my family. You look like you could use a nice cup of tea. This flavor is a bit strong for some people, but the effects can be lifted with a sip of water from your water skin. Merci beaucoup. The captain is in a terrible state. I suppose that's to be expected. She won't even leave the dock. Perhaps it would console her to know that we all survived. You should speak with her. Okay. I lost most of my possessions too. And nothing has washed up. My family lives here in Lindo, so I'll be staying with them. If you find that night is coming and you're in need of a place to stay, you should check the inn. You'll be comfortable there. It gets cold around here at night. You shouldn't be out without a proper coat. Très bien, choix du sujet. Et donc là, on va avoir une petite faute de raccord de goût. After that wreck, I may just settle down here for a while. Voilà. Volume plus fort, plus saturé, changement de micro, c'est un peu dommage. Are you wondering about anything else? Non, non, pour l'instant. La bonne journée, comme on dit dans le milieu. Gosse, ok. Là, on ouvre une porte, on voit un vieux type coincé. Who's there? Nika, is that you? You must be one of the tourists. Terrible about the sinking and all that. Glad you're okay, yada yada, etc. But will you go get Nika, the innkeeper? I need help. It's stuck, obviously. Now, would you be so kind as to go get Nika for me? Pas avant que t'aies répondu. Mais comment avez-vous fait ça? It happens. It's fairly normal, really. Doesn't it happen to you from time to time? Brilliant. I'll wait here. Je peux rien te jouer, pourriture communiste. Ok. Alors, Nika, voilà, ça tombe bien. You must be the traveler from the wrecked ship. Oui, un homme qui vit dans une grotte m'a sauvé. Oh, good. Ingolf needs some visitors every now and then. I wish he would spend more time in town, but he'd rather be alone. Yes, I run the inn. I always keep a full stock of soup and tea to refresh weary travelers. When I was young, I traveled all over this island. I'd love to adventure again one day. Alors, bien sûr, c'est un inventaire de marchand, il y a des choses qu'on peut lui acheter. En bleu apparaît le quête, sinon on a le choix du sujet. It's a bit more calm than Nava. I think it's quite a nice place to relax. D'accord. Nava, I lived there for a few years, working as a baker. I do miss the bustle of the city sometimes. Oh, of course he does. And what is it this time? Cette tête est coincée again? Dans une jarre. That's like the eighth time. All right then, we'd better go help. Bien. Allons-y, allons-y. Bien que, attention, je peux jouer une bougie. Donc, oula. Un petit frise encore. Hop. Donc, moi, vu que je veux jouer à des bougies, je joue à des bougies. J'en mets comme ça. Visiblement, on est le genre d'artiste qui vole des bougies. J'allais passer derrière, j'en profitais, je regardais. Hop. Hop. Voilà.
falloir résoudre cette quête de niveau 10. Tête de héros principal. Oh, it's really stuck, isn't it? Yeah, it's pretty stuck. I think what we need here is some soap. Would you be a dear and fetch some soap from Amin's house? It's just down the stairs and across the courtyard. Très bien. Eh ben écoutez, on va chercher donc ce savon. Bon, là c'est facile, hein. Pareil, hein, des maisons, on n'en a pas 36. Petite maisonnette. Mais joli, hein, le jeu agréable. On dirait c'est pas le jeu le plus beau du monde, mais petit jeu indé, je trouve très agréable. La musique est très agréable. Hello there. Can I help you, traveler? Et elle a fait peur. Elle a fait peur. Well, certainly. May I ask why? He did. La chose, c'est quoi, c'est peut-être dans... Ja. Is he a friend of yours? Well, I shouldn't gossip then. He's just such a peculiar man. And you know what? I think Lenny is going to have some real issues when he grows up. Well, you've seen him. The boy is unhinged. And not just that. I've been hearing a lot of yelling coming from that house. I think it's quite a broken home. You know, I imagine you'll be traveling all around this island, being a tourist and all. Perhaps when you get to Narva, you should let the sheriff know about Isan. I think it's only right, you know, for Lenny. I think it'd be best for the child. I only have his best interest at heart. Isan is not a stable man, and wholly unsuitable to be a parent. Here, this will help you with the toll. Right. Well, here's some soap. Safe travels. J'aime qu'on s'en mette la pièce d'or locale. Y'a rien que je puisse te chourer, toi, d'ailleurs. Y'a rien qu'on peut te voler. Ah, mais moi je suis un artiste itinérant, hein, donc théoriquement je suis une alcoolique. Tiens, d'ailleurs, c'est toi le gosse. Aren't I good at flying? Ouais, t'es fort. Thanks. My dad says that I can do anything as long as I put my mind to it. Bah oui, comme se coincer la tête dans une jarre. Tu peux faire ça aussi, gamin, hein, si tu veux. Après, je sais pas si c'est utile. Voilà, voilà. You have the soap. Well, let's try this thing then. Here, let me have that soap. Bien sûr. Well, I guess it was convenient that you dropped in when you did. Thanks for getting Nika. Amin? That nosy, stuck-up, goody two-talon... if you had to deal with what I have to deal with... She just doesn't like me because I'm not posh like her. This whole town is stuck-up. Them and all their judging eyes. You know what? Get out of my house. You're just like everyone else in this town. Coming in here and telling me I'm a bad father? Get out! Je n'ai pas dit que vous étiez... I know that's what you meant. Just get out! D'accord. Donc voilà, j'ai essayé de refaire les mêmes phrases que j'avais fait avant, je n'essaye pas de voir s'il y a d'autres combinaisons. Bien cette découverte. Nous verrons comment ça se précise. Parlons donc hey, à ce petit. Hey, you have an easel. Ah, are you bah, an cool. artist? Alors c'est cool. J'explique pourquoi. Parce que dans la première vidéo qu'on a tournée, que j'ai tournée donc aujourd'hui même, la veille pour vous de cette sortie de vidéo. Et en fait il avait constamment les yeux fermés. En fait au tout début il se met à clioter des yeux, en fait il réouvre plus jamais les yeux. C'était très étrange. Oui effectivement. Do you want to see what I made? Vas-y, montre-moi. Regardez. Tout est très appliqué. J'ai le poisson petit dos qui saute et hop, il se fait choper par What should I do? Par l'oiseau. Tu t'as commencé avec une belle toile vierge. I don't know how to make a canvas.
faisant une ensemble. You're a nice artist after all. Eh ben c'est parti. Il nous faut des planches de bois et du tissu. I know where some boards are. Follow me. Ok. Et donc je vais le poursuivre pour trouver des planches. Did you see when it ran a reef? I've never seen anything like that. Alors, je me devance like un peu. Terrible waste of a pitch. Petit bonhomme. Allez, petit bonhomme. Let's keep going. C'est clair. Ok, donc le tissu. Alors le tissu, au début j'ai galéré un peu pour en trouver, hein, gentiment mais sûrement. Mais là je vais pas galérer. Très simple et très bonne raison qu'en fait c'est une ville qui fabrique justement des patchworks. Et des petits bignous comme ça. Ah. Un jour une vieille dame a eu l'idée de grimper au sommet d'une grande tour située le long de la côte. Elle est restée là, à contempler l'océan en grignotant des gâteaux, sans s'apercevoir qu'il était déjà l'heure d'aller au lit. Elle a alors eu envie de retourner chez elle pour voir son chat. Elle a donc commencé à descendre l'escalier, mais comme elle était très fatiguée, elle a raté une marche, et elle est tombée. Et elle est morte. Elle est alors devenue un fantôme, et elle hante depuis cette tour. Elle y allume les lumières à la nuit tombée. Ouais, vous voyez, il y a une virgule, donc on est censé avoir un bout de texte après. Du coup, le problème, c'est qu'on ne l'a pas, quoi. Je veux dire, j'ai pas d'autres. J'ai pas d'autres options. Donc, il y a encore un petit problème sur les raccourcis. Les petits raccourcis. So we have everything we need now, right? We can make a canvas from this stuff? Exactement, on a tout ce qu'il nous faut. Ouais, ouais, attends, on va pouvoir fabriquer ça. Je vais juste mon petit tour. Watch your step there. Lots of moving boxes around here. You're looking a little waterlogged. Guessing he just came in off of that ship. Think he even got some seaweed hanging from your ear. Yeah, we all have those days, right? I mean, my dad got in a shipwreck once. He wasn't as lucky as you, though. Désolé. No, he's fine. Just lost his leg is all. Now he gets to order us around even more. So, you'll probably be exploring all over, right? Would you do me a huge favor? Sure. My brother loves raspberry-filled pastries. Loves them. Can't get enough. But raspberries don't grow here. So, he puts in an overseas order every 2 weeks. It's crazy, really. Now, the thing he hates is grape-filled pastries. I mean, we all hate them, obviously. But he hates them even more. He'd destroy them all if he could, you know? He once saw an old lady eating some, and he grabbed the box and threw it in the ocean. It was the craziest thing. Okay, so what I did was fill his raspberry pastry bag with, grape pastries. Can you imagine what he's gonna do when he eats one? He'll go insane. He's always suspicious of me doing something like this, though, so it would be perfect if you could play along and act like you're a delivery person. So, what do you say? You deliver them to him? Ouais, carrément, vas-y, hein. T'es un ours machiavélique, mais ça part. Hein. Perfect. You gotta play the part, though. Really make them think they're raspberry pastries. This'll be great. Here, take these. Super. My brother lives over in Nava, so I'll meet you there in a few days, alright? I'll probably be near the bakery. You just come find me, and I'll point my brother out to you. Ok. C'est d'accord. C'est parti. Donc, on va fabriquer pour... Ah, attendez. Il y a ce matelas ou ce matelot à qui je peux parler. We've had quite a few shipwrecks here. There's a reef surrounding the bay, and that's what does it. It shouldn't slow down traffic too much, though. I'm just glad you all made it. J'ai eu beaucoup de chance. I work on the docks almost every day. If you ever have any questions about Lindau, come on over, and I'll do my best to help. Choix du sujet. Tissu. Fabric. We go through loads of... Ensuite, these lengths are effective for shipping, but will perhaps serve your purposes. Super. Lindau is a nice port town, although we don't have much to export anymore, aside from loom sacks. And most of our tourism these days are just people passing through, on the way in or on the way out of Nava. Ok, bah super. Bah merci monsieur. À bientôt. Merci beaucoup. Donc maintenant on peut faire table. On peut aller ici. Petit marteau. Hein, hop, et fabriquer un maximum de toiles. Ok.
you paint something? I want to watch a real artist. C'est quoi la question, gamin? Quoi la question, gamin? Hop. Ah, je crois qu'il faut que je paye, c'est ça. Ah oui. Ouais, alors attendez. Là, moi, je vais prendre la maxi. Hein. Je vais prendre l'édition familiale. Ah, j'ai pas fait gaffe du tout à ce bâtiment. Oh. Je regarde plus attentivement. Alors là, en fait, c'est facile. Il suffit de maintenir votre clic. Voilà. Si vous allez à droite, vous élargissez. Si vous allez en haut, vous élargissez. Enfin, vous améliorez la hauteur. Alors attention, petite photo artistique. Par contre, gamin, si tu veux bien virer. Voilà. Parce qu'on fait des vrais tableaux, donc on fait des tableaux d'artistes à... Je suis un maître de chef-d'œuvre, quoi. Dis pas moi ça. Paf. C'est magnifique. C'est superbe. Painting is amazing. I want to try. Can I have a canvas? We found enough stuff, right? Yes, tiens, prends-toi. Yes. I'm going to use this for Miss Mika's next painting. She loves art so much. Hey, Miss Mika loves art like us. She always likes my paintings. I bet she'd like yours too. She really likes the eclipse. You should draw her that. On va lui peindre ça. Voilà. C'est tout à fait possible. Ah oui, je vous ai pas montré aussi cette petite tour. Petite tour à Orbex. Premier bâtiment dans lequel je suis entré, du coup. Je trouvais très stylé. Ça tout bête mais stylé. Bon, le problème c'est que bah il est joli mais il ne sert qu'à ça, quoi. Il ne sert qu'à être joli. C'est à dire qu'il y a des gens qui ont travaillé gracieusement à faire un truc esthétique et c'est à peu près tout. Tiens, d'ailleurs, je voulais savoir, il est où l'autre là qui il est où l'autre gosse qui vole là? What? Why? If you don't all turn right now, I'm gonna jump! Okay, okay. Ah! Everyone turn around. I don't know what you're trying to do, but it's time to come down now. I wish, when I was a boy, Legends came to Lindau with strange spices and soft fabrics. I'm just glad you're back now. Haven't been back in a long don't time, though. Again, okay? Qu'est-ce que Lindau apporte à notre pays? We mainly get shipments of teas, grains and fabrics, and headwear of the latest fashion, of course. In any case, there's always lots of work to do around here. D'accord. Bah, je vous laisse retourner travailler. Use gamin. C'est bon, il est redescendu. Eh, gamin. Eh, gamin. Eh. Ah oui, d'accord, il est possédé, quoi. Il est comme son père. Ah, c'est la team possédée en possession. I feel so adventurous staying here in Lindau. Emmerich, d'où venez-vous? I live in Narva, but sometimes I just long for the primitive lifestyle Lindau offers. Ouais. Enfin, ça me semble pas si mal que ça. How humorous you are! I like that in a person. Some may find the story of my journey utterly inspiring. Nothing could have prepared me for the muddy paths, the unbearable heat. I even had to eat outside. Overall, it was a dreadful experience, but I braved through it all. Wow! Yes, wow. It certainly was impressive on my part. Ah, mais complètement. I so dearly wish my friends could see how adventurous I've become. Donc il va te falloir une petite peinture, toi. Je te vois venir. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut aborder? The traveling artist. Yes. It's a bit more non, calm than non. Ça je m'en fiche. À bientôt. T'as rien d'autre plus à me dire? À bientôt. Donc, là, ce qui va nous intéresser. Le gosse, on a vu, je vous annonce tout de suite, la couleur sur le marché, personne va nous parler. Ils sont en mode. Ça va le coup, frère. Ouais, en mode comme ça. Voilà. Qui
Là, par exemple, tu parles pas. Si je te parle pas à toi, je te connais pas. So you've survived too. That means only one of us has been lost at sea. Nous avons perdu qu'une seule âme à bord, dans ce pays. Okay. Who? Only the most important one of us all, Annabelle. Doesn't sound us. She carries you across the oceans, and you don't even learn her name, Annabelle. My ship, my wooden, sea-loving daughter! Killed by the damn reefs when we came into this miserable town. Ah, c'est marrant d'ailleurs, ils ont écrit récit en français plutôt que de marquer récif. I'll be spending the rest of my days mourning Annabelle, sitting here. Dreaming of a world where she wasn't destroyed and people actually remember her name. Off with you. Trade your life for hers. It's really a terrible place to be stranded. A ship murdering town. Juste de bateau. Ouais, les trad, il y a encore un peu de... Now leave me. Un petit peu fragile la trad, hein. On sent la présence de Gogol trad, hein. Ok, donc nous ici on a tout dépouillé, là on a tout nettoyé aussi. Nice, ça c'est notre ouvrier qui est revenu ici. Très bien. Je pense que lui peindre une petite épave de son bataille, ça pourrait être quelque chose. J'ai pas vu ces deux braves gens là-haut. Ah, a newcomer. In the future, if you're ever in need of carriage to Nava. I'm your driver. D'accord, tu conduis. Oh, très bien, merci. My ox is strong, no? D'accord. Donc on a un petit taxi ici. Ah, oh, ici on a des chatons. Ah, on peut ramasser un truc là. Mais je peux ramasser du wab. Mais non. Mais attendez, si c'est comme Skyrim et je peux tout ramasser, je vous préviens, ce let's play va mal tourner, hein. Allez, alors après avoir vu, je peux ramasser des mauvaises bombes. Si je prends. Je crois. Vous avez rien vu. Ah non, mais ça y est, c'est le bordel. Ça y est, officiellement, c'est un let's play et ça tourne mal, hein, je vous préviens. Vous êtes prévenus. Allez-vous-en. Cette vidéo ne se terminera jamais. C'est officiel. Petit coup de bois. On peut vraiment ramasser mais tout et n'importe quoi. Ok, on va ramasser un petit peu de racines de web. D'accord. Et ça se ramasse pas ça. Bon machin blanc. Mais par contre il y a du coup, on va déconner quand même. Donc on peut récupérer des petites racines d'arbres. C'est rigolo ça. On va voir un peu ce qu'on a comme bazar qui traîne. Je trouve que c'est. Ça se trouve que je suis tout simplement en train de faire une petite mission de ramassage, nettoyage d'objets, genre derrière la maison. Pour gagner une pièce, tu vois. La pièce de l'amitié. Tiens, prends ta tune clocharde. Avec des ruines un peu partout, hein. C'est. Ah, ouais, c'est Morrowind, hein. Ah, mais si on peut les. Ah, je peux les cueillir. Si, en fait. Non mais attendez, si je peux vraiment tout ramasser, ça va vraiment. Mais oui, mais tellement. Mais ça va mal tourner. Mais ça tourne déjà mal, hein, j'annonce. Regardez, hop. Là, je vais faire tout le tour du jeu. Hein. On peut attraper les papillons. Alors, si on peut attraper les papillons. On peut attraper les papillons. On peut attraper les papillons. Vous savez pas dans quoi vous embarquez. C'est extrêmement agréable, donc c'est un vrai plaisir de glander là-dedans et de ramasser tout et n'importe quoi. C'est plaisir. J'ai envie d'aller voir ce bout de bois là. Je vise un bout de bois avec un chemin juste à côté. Très bien, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut mettre un papillon?
Ouais, la faute professionnelle, hein. Fallait bien qu'il commette une erreur. On ne peut pas ramasser de papillons, ça. Rendez-vous compte. On peut pas récupérer de papillons. C'est moche, mais voilà, c'est comme ça. Ouh, encore là. Alors. En vrai, je suis pas en train de tourner en rond pour rien. En vrai. Même si je suis en train de remplir mon inventaire à un point qui n'a pas de sens. Ce qui va me permettre d'abord d'aller voir si... Ah ouais, c'est des planches qu'il faut, quoi. D'accord, je pense qu'après les autres, voilà, d'accord. Ok, donc tous ces éléments-là, ce sera sûrement, sans aucun doute même, à mon avis, pour d'autres crafts. Ah, bah la tour de la vieille dame. Ah, oh, mais il y a plein de trucs que j'avais pas vu dans la première vidéo. Attention, j'y vais. J'y vais, je vais. Ça part en vrille, ça part en vrille. La tour abandonnée. Il faudrait que je fasse ma peinture depuis là-haut. Tour abandonnée. J. Journal. Tour abandonnée. J'ai découvert une tour en ruine sur la côte d'Ishade près du vieux leader. D'accord. Quelqu'un devrait probablement posséder la clé. Je vais avoir un peu le chemin du vieux Lindau. Lindau. Ouais, ça sent le bout du monde là. Hein. Ouais, ça sent un peu le terroir abandonné. Ça sent la cabane renversée. Tirons-nous d'ici. Ouais, ouais, mais je vais pas peindre ça, c'est pas très... C'est pas très Charlie comme endroit. Hein. Pas chercher le rapport, hein. Vous avez 2 heures. Alors monter par chemin, du coup, ça m'intéresse de visiter chemin. C'est le chemin qu'on a passé tout à l'heure, comme un sac, tout ça. Ok, on a un joli pont aussi là sur la droite, je vois. Une vraie route pavée, un vrai endroit. Intéressant. Ah, des racines. Ah, très intéressant. Voilà, plein de racines. Plein de loot. Moi, tant qu'on vend du loot, même si ça sert à rien, je le ramasse. Ouais, c'est maladif. Hein. Ça vient des jeux de rôle, ça. Ah, c'est vraiment une maladie rôlistique. Des vieux jeux de rôle de jeux vidéo, hein, bien sûr. On parle de cela. C'est... Non, personne ici. D'accord. On n'apprendra rien par là. Mais très bien. Nous avons vu tous ces gens-là. Il y a autre chose que j'aurais aimé voir. Je ne me suis pas baladé là non plus. Ça va être, voilà. C'est une petite zone gentiment fleurie, hein, qui va nous ramener vers le chemin de pied. Oui, il y a un truc ici. Ouais, on va trop loin là. Moi j'avais prévu même de faire une découverte légèrement plus courte que l'épisode de base qui faisait 45 minutes. Résultat, ça va être plus long. Bravo à moi. Bonjour monsieur. Nothing like a good book on a day such as this. Actually, books are the perfect way to spend any day. Do you enjoy reading? Ah oui, beaucoup. I'm glad to hear that. Perhaps I can share my favorite books with you sometime. My favorite books are the ones that inspire me to write myself. How about you? We creatives, we are writer, you are painter. We've got to stay inspired. Best way I've found is to drink many, many cups of tea. Always gives me a boost. Speaking of writing, if you find any feathers around here, I'd happily buy them. I'm constantly losing my quills. I figure 3 should do it. For now, though, I must get back to reading. I think something fabulously dramatic is about to happen. Is there something else? La tour abandonnée. That building was part of the original town of Lindau. I heard a ghost has taken up residence inside. If you're interested in an adventure, it's a lovely spot for a nighttime stroll. Mm. That's where I live, when I'm not camping.
My house is the only thing standing after the mudslide. D'accord. Moving all those books just seems like too much trouble. Besides, what could be more fun than living in a ghost town? Il me semble avoir vu votre maison. I'm certain you did. Did you manage to take a peek inside? I welcome all who are interested in learning. D'accord. Intéressant. Is there something super. Else? Eh bien non, au revoir. Je pense que j'ai assez de sujets. Très content. Donc du coup, maintenant je viens de découvrir au moins à quoi servaient les espèces de plumes que j'ai trouvées ici et là. Ah non, mais attends, s'il faut vraiment qu'on aille chercher des plumes qui sont paumées au milieu de nulle part. Ce let's play tourne mal. Cette vidéo découverte a tellement mal tourné d'un coup. Quand le Knarfang a découvert qu'il pouvait tout looter, l'espoir a été perdu. L'humanité s'est résignée à devoir mettre un pouce bleu, s'abonner, partager pour détruire la vie de plus d'individus. Regardez un let's play qui saccade en plus. Non mais dites-moi en plus si ça saccade trop tout ça, on baissera la qualité graphique s'il faut. Comment ça rend le truc agréable. Mais je peux pas prendre celui-là. Non. Pourquoi? Ah voilà. Great viewpoint, isn't it? Hein? Ah oui, magnifique. Look. The eclipse is starting. L'éclipse a commencé. Petite scène cinématique. Not a bad show, right? Oui, c'est un très beau spectacle, très inspirant. You couldn't get me out on the oceans for anything, and especially not in a rickety wooden ship. If you haven't got lodging for the night, feel free to stay at the inn. I'll leave the upstairs room unlocked for you. Drop in at your leisure. Don't worry about payment. Shipwreck survivors stay free of charge. Merci beaucoup. Take care now. C'est très gentil. Est-ce que par contre je peux you te parler look well. Je voudrais te parler de la tour abandonnée. Towers like that were used to send fire signals to Narva. But we don't need to do that anymore. It's a bit eerie, but late the other night, I thought I saw lights coming from inside the tower. Oh, it's probably just some kids playing a prank. Nous avons des informations. Take care now. Je pense que d'ailleurs notre vieux singe là, qui nous a trouvé Ibrov ou je sais plus quoi, Irnov, enfin un singe russe quoi. Le singe russe qui nous a trouvé par exemple. Oui, je suis sûr que du coup, il doit avoir des petites infos en vrai. Est-ce que toi t'en as par exemple? Thanks again for the canvas. Tout va bien. That place is haunted. Every time I go there, I hear weird sounds. And some nights the windows light up. It's kind of creepy. I'm not scared of ghosts though. Ok. Bien, au revoir. Maintenant, il ne fait que vous confirmer les choses. Vous, bande d'habitants qui ne possédez pas de maison, allez-vous parler. Je fais juste un petit tour par là, parce que vu que le scénario nous a amené dans ce coin-là, je me dis qu'on peut peut-être trouver l'une des trois plumes que notre gadget veut, là. Et moi, je me dis qu'il faudrait presque y retourner juste de nuit.
pour avoir les petits logos blancs en fait qui s'affichent de des choses qui sont ramassables. On a du mal à voir si. C'est moi je fais un crochet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va aller à l'auberge. On va aller à l'auberge. Et nous allons pioncer. C'est parti. Voilà. Nous allons aussi raqueter des bougies. Sachez-le, c'est très important. Voilà. Oh. Bonjour. Ah, l'architecte de Lindau. C'est vrai que j'avais pas croisé cet exemplaire, donc on va en parler. Les bâtiments de Lindau sont des merveilles d'ingénierie, aussi belles que délicates à construire. On doit la conception de ces exploits techniques au génie de l'excentrique Hassan de Taria. Il y a 5 ans de cela, cet incroyable architecte a subitement disparu. On ignore encore à ce jour ce qu'il est advenu de lui. Bien que largement reconnu pour ses réalisations dans les domaines de l'ingénierie et de l'architecture, Azad était surtout célèbre à East Shade, en raison d'une anomalie faciale héréditaire rare. Bien que majoritairement encensé pour son génie, il était aussi parfois réprouvé en raison de sa prétendue arrogance. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'il ne devait sa notoriété qu'à son visage défiguré et qu'il ne possédait de fait aucun talent sortant de l'ordinaire. Cependant, il suffit d'aller faire un tour dans les rues de Lindau pour se rendre compte qu'il a bâti là quelque chose de réellement merveilleux. C'est vrai que c'est joli. C'est joli, c'est fonctionnel. D'ailleurs, chapeau au mec de l'ADA, hein, qu'on va appeler du coup Azad pour le fun. Hop là, je mets un petit peu de tissu. Un autre petit texte, conte folklorique, Ombragien, volume 1. Il y a bien longtemps, l'air qui entourait la planète est devenu terriblement froid, sans fourrure ni plumes pour se protéger. Soleil a commencé à geler. Elle a donc décidé de faire des flammes aussi grandes et aussi chaudes que possible afin de se tenir chaud. Soleil œuvra nuit et jour pour s'assurer que ses feux ne s'éteignent pas. De gigantesques flammes finirent par s'élever jusqu'à atteindre notre sol et elles commencèrent à calciner toutes les créatures. Les feux faisaient rage, détruisant les maisons et les forêts, mais Soleil était trop. Et voilà, le petit bug dont je parle. Voilà, donc là il y a normalement une fin de texte, on l'a pas. Ensemble, ils rassemblèrent des brindilles, des feuilles, de la fourrure et des plumes et ils s'en servirent pour tisser un grand morceau de tissu. Ils le recouvrèrent ensuite de glaise afin de le protéger du feu, puis les arbres soulevèrent la masse tissée jusqu'au ciel. « Prenez cette couverture pour pouvoir vous reposer bien au chaud !» crièrent les créatures. Soleil se glissa sous la couverture et s'y blottit confortablement. Ses flammes se réduisirent et se firent moins chaudes, ce qui finit par laisser les créatures du monde dans l'obscurité. Lorsque Soleil émergea de sa sieste, sa lumière dorée se remit à briller pour les créatures qui se mirent alors à danser et à chanter, heureuses que leur présent ait fonctionné. Et c'est ainsi que Soleil a obtenu sa couverture qu'elle utilise encore chaque jour. Donc on parle de l'éclipse, c'est très joli, n'est-ce pas? Appréciez. Appréciez ces maisons sans chargement, ce Morrowind de très haute qualité. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. Alors je vous le rappelle, si ça vous a plu, pouce bleu, partagez, c'est cool, parlez-en autour de vous. Parce que je trouve que pour l'instant, ce jeu est plutôt réussi, pour un prix qui est somme toute réduit, d'un studio indépendant qui est passé inaperçu. Je pense qu'il mérite plus de com autour, quitte à ce que si vous n'êtes pas très fan de ce que j'ai fait, c'est pas très grave, mais parlez-en éventuellement à vos grands youtubeurs pour qu'ils le fassent. Parce que je pense qu'il mérite un peu plus que la visibilité que moi je lui apporte. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Ciao.